Bonjour à toutes et à tous, ici Fizzus, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, 5 du mois, vidéo traitant de la traduction de Fate Stay Night. Le mois de juin a été un gros mois pour la relecture d'Unlimited Blade Works. Nous avançons toujours plus, mais nous n'avons pour le moment pas de date de sortie en vue pour le prochain patch qui comprendra la traduction du scénario Unlimited Blade Works. Toutefois, nous vous tiendrons au courant dès que nous serons prêts à publier le patch. C'est pourquoi nous vous recommandons comme à l'accoutumée de nous suivre sur Discord afin de suivre notre actualité. En parlant d'actualité, nous venons officiellement d'accueillir un nouveau membre dans notre équipe de traduction dont le nom s'affiche à l'écran. Ouais, j'ai pas envie de prendre le risque de mal prononcer son nom. Je suis un escroc. En parallèle de la relecture de Unlimited Blade Works, j'ai commencé à me lancer sur la traduction d'Evansfield. Souvenez-vous que dans la mise au point numéro 16, je disais « Le jour 4 d'Evansfield est en voie d'être fini, mais c'est pas encore le cas. » Eh ben, c'est que j'avais vraiment pas pris le temps de relire tout ça. Je vous rassure, ce qui a été fait par James Kirsch jusque-là va beaucoup m'aider pour la suite. Mais il y a beaucoup trop de coquilles dans l'état actuel des choses pour que je ne repasse pas dessus. Du coup, pour le moment, je n'ai fait qu'une petite partie du jour 4 d'Evansfield qui représente un quart de ce jour-là. Et ça, c'était avant que je me souvienne qu'il existait des parties des jours 1, 2 et 3 qui étaient propres à Evansfield et qu'on n'avait pas encore traduit. Le type est traducteur. Du coup, dans les prochains jours, c'est ce à quoi je vais m'atteler. Pendant ce temps-là, les autres membres continueront la relecture d'Unlimited Blade Works et on vous tiendra au jus comme d'habitude sur notre serveur Discord, sur notre site, ainsi que dans les prochaines vidéos mises au point. Alors restez à l'affût concernant cette traduction. Maintenant que tout a été dit concernant la traduction, je vous invite à aller streamer le dernier morceau de Young Steam sorti le mois dernier. Il s'intitule K. Et il a été produit par moi-même. C'est un son assez conceptuel, alors ça me ferait extrêmement plaisir que vous le partagiez si jamais vous l'appréciez. Si j'ouvre mon cœur, je crée un trou noir. La vie, c'est pas Tekken, mais y'a mille tournois. Je sais qui je suis devenu récemment. J'ai pas fait de tout droit. Et demain, en l'air, je crée mon mécontentement. Si tu te fais tuer, t'es mort, mec, c'est qu'on t'entend. À part le bonheur, y'a vraiment rien que j'attends. Je sais ce qui est adjacent. Le futur me paraît bien. Aussi, Nomad sort demain le morceau Drill 2D accompagné d'un clip. C'est également un projet qui nous tient à cœur et que je vous invite à écouter dès que vous en aurez l'occasion. J'ai du sang sur les mains comme Charlie sur ses dessins. J'ai pas le temps de faire de pause, seul temps mort. Coup de chlasse dans l'intestin, j'ouvre le feu de gueule pour les éteindre. Je vais purifier ces faux saints d'esprit, ces keufs racistes, les jeter dans la scène, venger les actes de 61. La paix n'est qu'une guerre. Désormais, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine en espérant qu'il vous arrive plein de belles choses. Elle est belle et siliconée, mais je pense qu'à faire de la monnaie. Igo Gilvis à faire tourner, c'est normal, c'est la cahier. Elle est belle et siliconée, mais je pense qu'à faire de la monnaie. Igo Gilvis à faire tourner, c'est normal, c'est la cahier. Elle est belle et siliconée.